Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Strasbourg, jardin des Deux Rives, pour la 73e édition du championnat de France. Première demi-finale que nous allons suivre, mon cher Jean-Luc Robert. D'abord, tout d'abord, bonjour. Bonjour Guillaume. Une première demi-finale 100% nordiste, et là, pour le coup, c'est la surprise du chef. Ouais, on peut dire ça. Après, le tirage fait que ça aurait pu se passer autrement. Alors il paraît même que non seulement ils sont du Nord, mais j'ai même entendu dire qu'ils étaient du même club. Alors, du même club, ouais. Ah ben, donc c'est une bonne info. Voilà, donc on ne va pas épiloguer forcément parce qu'ils sont un petit peu moins connus que certaines équipes qu'on a l'habitude de voir. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est l'équipe la plus solide dans la tête qui va gagner cette partie. Place donc à la pétanque, place au jeu. On retrouve tout de suite les six acteurs sur le carré d'honneur. Allez les gars, amusez-vous. C'est bon, let's go. Allez, poteau. Ouais. Attention, on va pas là-bas, Pixo. La première demi-finale de ce championnat de France triplette 2018. Une demi-finale 100% nordiste. Je dirais même plus, mon cher Jean-Luc, une finale 100% l'homme pétanque, car les six joueurs appartiennent au même club. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné, mais il va falloir gérer. Faites du bruit, dit le speaker. Ouais, il va falloir gérer. Il y en a qui ont plus de facilité à jouer contre des potes que d'autres. Mais je maintiens ce que j'ai dit en entrée. Bravo, demi-finale, super, bravo. Le championnat de France, c'est le. À ce niveau-là, tous les joueurs sont à droit, tous les joueurs jouent bien, évidemment. C'est le mental qui fera la différence. À peu près comme lui, hein. Alors deux équipes qui abordaient, elles étaient quatre, hein, qualifiées via le comité départemental du Nord. Et elles sont arrivées avec le même équipement, avec le haut de survêtement bleu, car on sait qu'il y a des règles très strictes, hein, ne serait-ce que les cuissons tout simplement du comité départemental ou régional qui doit apparaître sur l'équipement. Et donc une des deux équipes, en l'occurrence celle de. Et Christophe Thomas, le capitaine aux lunettes, a gentiment accepté le fait de passer en noir pour qu'on puisse tout simplement les distinguer. Bah oui, c'est mieux si on peut le reconnaître, effectivement. Allez, essaye, je vais le gagner. Mon pote. Je vais essayer, promis. On va les découvrir ensemble, ces joueurs-là. C'est Cédric Baldassar qui... s'égare quelque peu. Bonne, sinon elle sert à rien. Si elle tombe bien, elle est bonne, sinon elle sert à rien. Je pense qu'elle est. T'as mis un coup de patte, à mon avis. Ouais, pour qu'elle revienne de l'autre côté, justement. Ouais, mais pas d'un coup de patte. Tu joues droit, tu vas dedans. Ouais, c'est pas grave. Si c'est grave, première main, si j'en joue une au moins, c'est bien. Allez. Une équipe. Allez, essaye. Avec Christophe Thomas. La chance de jouer sur un terrain compliqué, je joue pas bien. Il s'est imposé en 8e face à une équipe de Charente-Maritime, 13-9. Et puis en quart. Comment une fois on ici le devant ou quoi, elle bloque le jeu. De Bourgogne-Franche-Comté qui est tombé face à ces nordistes. Stop. Oh, bien, pas bien. Bien, pas bien. C'est gagné, mon pote. Du coup, il a gagné. Ça, c'est bien. C'est gagné. Par contre, il a. Il s'est bien amélioré le point de son adversaire. Donc maintenant, s'il tape, ce sera compliqué de le regagner. Allez, du côté des Bleus, donc, de Sébastien Lebrun, qui ont gardé leur équipement. Bravo. Bravo. Une belle frappe, là, à mettre au crédit de David Demestre. Bravo, tu fais, bravo. Mets toi dans le jeu, c'est pas des jeux de tirer après. Attention, Kevin. Allez, top. Va te mettre là tout ça et on y tire après. Allez, essaye. Allez. Ah, poteau, va te mettre là tout ça. Jusque-là, c'est une bonne idée. Par contre, s'ils se mêlent à rien, ils vont jouer toutes les boules sur ce point. Celui-là, il est quasiment ingagnable.
Elle est quand même dans l'axe. Elle est dans l'axe. Elle peut servir. Elle est enterrée en plus. Ouais. Je pensais qu'elle aurait roulé. Combien elle a roulé un peu? 4 boules, il reste encore. 4 boules. Non. Donc, c'est rien, on sait pas. Il y a une boule devant. Ça fait un petit carreau. Bah non, même sans le carreau, si après il cherche à bien jouer. Si j'en tape 2, ça fait 3. Si j'arrive. Et encore là, si. J'en tape 2, il faut que je joue à fond pour en faire. Voilà, c'est ça. Mon gros. Voilà. Hop là, boule, on verra bien. Allez, petit, tombe dessus, ça fait moins déjà. Bon raisonnement, ça. Allez, tombe dessus, on verra ce qui se passe après. Il faut y aller. Allez, Kev, amuse-toi un petit peu. Frapper pour faire jouer parce que dans ces terrains-là, c'est des points qu'ils défendent se perdent. Oh, le secours. Aïe. Belle projetée. Bravo, les gars. Ah, ça, c'est pas grave. Bien joué, celui-là. Si, c'est grave. C'est moi qui entends mal, les gars. C'est pas grave, vous. C'est jamais une dans le jeu, on y tire avant, ça n'a rien à voir. On a commencé, tu tires pour passer des points. Ah, Charlot, on t'aime bien la main. À 2 mètres, c'est vrai, je sais. Pour ça, ça nous aide pas non plus. Chaque fois, après. Essaye de passer la mienne, déjà, tu seras dans le jeu. Eh, Kev, c'est vous, c'est moi qui amène les deux boules qui servent à rien, là. Ah, Kev, joue bien celle-là. Casse la tête, ça, dès le début. Allez, Kevin Carlier, là, qui n'a pas le choix. Faut bien négocier. Ah, si j'en mets une dans le jeu, on tire avant, ça n'a rien à voir. Au moins, gagner le sien qui est devant. Ah, Kev. Pour resserrer un tout petit peu le jeu. Surtout éviter que. Je gagne une fois, mais. Je vais jouer, ouais, je rigole, c'est à moi de jouer tout de suite. Là. Alors, peut-être que les adversaires aient trop de place pour ajouter. Voilà, c'est ça c'est du bon bois. Ah, oui. On verra, s'il n'y a pas de carreau, ça fait moins déjà. Hein bien. Ouais, point dur. Ouais, quoi point dur, là, vous pas mal de cailloux. Là. Par des équipes habituées à évoluer ensemble. Les unes avec les autres, contre les autres, mais qui n'ont pas eu d'occasion de concourir sur les demi et la finale du championnat départemental, puisqu'on connaissait les quatre qualifiés au moment des demi, donc on n'a pas joué derrière. Ouais, c'est marrant, c'est bon. Voilà, les demi. Il y a des régions où, effectivement, quand on connaît les qualifiés, après. Moïse. Ouais, je veux dire, le titre départemental. Ouais, mais après, ça dépend du mode de fonctionnement. De... Ouais. Ouais, il court. Ça dépend du mode de fonctionnement de... et de l'heure à laquelle ça se termine. Parce que, bon, selon à l'heure, c'est pas grave, allez. Selon à l'heure à laquelle ça se termine, tiens bien, frère. Ça risque de finir très très tard le dimanche. Il y en a qui bossent le lundi matin. Évidemment. Ah, c'est pas mal tiré, hein, mais un tout petit peu court. Nassé ou pas ? Je suis pas raciste. Nassé ? Je sais pas, non, je pars pas, moi. Ah, on va demander à. Est-ce que ça suffirait à nos arbitres d'intervenir, en l'occurrence l'arbitre international, monsieur Patrick Dessé. Non, je risque rien du tout. Pourquoi ? 23,7. Associé à Jean Locatelli, que nous avions déjà lors de notre quart de finale télévisé, qui a vu 25. Qualification des tenants du titre, que l'on retrouvera, cette équipe de Christophe Sevilla. Grosse seconde demi-finale. Hein. Ah oui, l'équipe de Christophe Sevilla. Je vais pas parce que j'imagine ça fait avec toi. On sait pas, frère. On sait pas. Putain, non, eu, tout à l'heure évolué, celle de Philippe Quinté, Julien Lamour et. Ah, c'est grave à fond, hein. C'est ça. Et Damien Hérault. Au championnat. Eux, ils étaient passés par la Ligue pour se qualifier. Ils ont pas parté encore. Et un boule importante parce que ce serait quand même dommage de ne pas marquer avec 4 boules contre 0. Bien joué, Héro. Il m'a bougé, hein. Je sais pas. Et ils ne marqueront pas. Il y avait beaucoup, non ? Il y avait une ancienne. Bah, la tienne aussi, Héro. La tienne en premier, je crois. Ouais. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Allez, on va le remesurer parce que les deux boules, en l'occurrence. 24,3. J'ai. Moi, ouais, je pense qu'il est toujours au même. Ouais, je pense aussi. Ah. 25, le point est ici. Mmh. Ah ben, ils n'ont pas marqué sur cette première main avec 4 boules à 0. Ils ont laissé le point donc à l'équipe noire, à l'équipe de Christophe Thomas. Bien heureuse donc d'ouvrir le score dans cette demi. Ça fait 1-0 donc pour la triplette emmenée par Christophe Thomas face à celle de Sébastien Lebrun. David Demestre et Moïse Chénoz. Parce que là, ils avaient quand même une belle occasion, les Bleus, de, regardez, s'il vous plaît. De prendre un bon départ. Et on sait qu'à ce niveau-là de la compétition, c'est extrêmement important.
Allez, on vient flirter avec la ligne des 10 mètres là. Cédric Baldassare. Il n'est pas bon. Il a dépassé. 10 mètres 20. Oui, assez franchement, 10 mètres 20. Là, mon poteau, allez, continue. Allez, commence. Commence. J'ai perdu deux boules. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Allez, continue à mal jouer. J'ai bien aimé ton tour. Continue à les jeter. Continue à mal jouer. Le gars, il a pas gagné. Moi, j'ai confiance. Ouais, moi aussi, j'ai confiance. Un jour, je me rappelle, j'ai dépoté 196. Ça répond le temps. Super, bon. Pour une technique, il n'y a plus de ça. Allez, mon petit. Bravo. Oh, superbe. Il est beau, ouais. Ah ouais. Tiré. Remarquable, David Demestre. On va faire de la place. Il y a un peu de place, c'est pas mal là-dessus. Hein. Ah mon pote. Ah, c'est vrai qu'il y a quelques guêpes qui traînent sur ce site. Les orpillés, les orpillés. Ouais. Ah mon gros, déjà un peu de place, c'est pas mal, je trouve. Hein. Ah mon pote. Ah, régale-toi, tombe dessus, apprends-moi ce qui se passe. Allez, Kev. Bravo. Oh, la réponse, superbe. Bravo. Signé Kevin Carlier. C'est bien ça. Super, super. C'est bueno, c'est bueno, si. Hey, Picsou, regarde arrière. Chut, c'est mort là. Voilà. Malheureusement, un petit peu gêné, semble-t-il. Sur sa deuxième frappe, David Demestre. Ouais, c'est un équipement, effectivement, les joueurs qui sont équipés, bien sûr, pour que vous les entendiez. Allez, fais-nous voir. Quand on n'est pas forcément habitué, ça peut être gênant au tout début. La finale des drones, c'est la Guyane. C'est grave, ça. C'est grave. Clément même pas. On a décidé d'en avancer une pour voir un peu comment ça se passe. Il faut mettre un peu dedans. Elle est derrière. Elle peut servir. Elle peut l'aider à s'arrêter, mais. Difficile à gagner quand même. Après, s'il en fait un défendable, je pense qu'ils peuvent prendre la possibilité de tirer la cinquième. Voilà, bien joué. Il n'a pas gagné, mais c'est bien joué. Bien joué, Rouen, bravo. Bien joué. Elle s'est fait juste arrêter là par un petit monticule. Il faut repointer. Peut-être boule en main. Il sort le jeu, on voit après. Hein. Non ? Allez, c'est bon. Sébastien Aubrin qui dicte là. C'est Capitaine Kess qui me fait chier. À tenir. Je vais bien l'envoyer là. Le truc, c'est que comme il y a quand même un peu de chance de le gagner, celui-là, ils vont jouer les deux dernières. Il sort le jeu, je risque pas. Il sert quoi, il sert, mais. Et après, ils vont attendre moi. Voilà. Chose qui n'est pas toujours la meilleure parce qu'il suffit à la dernière de venir se coller dans le bouchon et voilà. Ouais. Donc celle-là elle sert à rien. Voilà. Moi j'aurais tiré à leur place mais c'était pas très très loin. S'il tire bien, il peut limiter un peu la casse. Là, maintenant ils vont laisser 4 boules à 0 à leurs adversaires. Alors bon, ça veut rien dire, hein, 4 boules à 0 parce qu'on l'a vu la main avant. Ouais. Eux ils avaient 4 boules contre plus, ils n'ont pas marqué. C'est ça. Mais. Alors,
Alors en plus il est venu, bon, il est venu se coller à sa boule, Moïse. Encore, après on met une bombe dans les tranchées. Chanotz, j'espère que je n'écorche pas après, son. Moi j'ai pointé le joli ouvert, on en met un, ça fait 4, c'est énorme. C'est énorme parce que les deux il faut qu'ils partent d'un coup. Mais s'il pointe la sienne, après on pointe. Ah oui, oui, non. Je pense, non. Ah, s'il rentre, s'il rentre, on peut y aller. On tire, parce que là on tire. Ça m'attendrait que les deux ils partent d'un coup. Ah ouais, même s'ils partent pas d'un coup, si je tire bien, là, même si la mienne reste qui est dans le coup, il n'y en a qu'une à tirer après. Je suis ouvert, moi j'aurais pointé la sienne. Moi j'aurais pointé la mienne, si après vous avez trois boulots en tant que tireur pour débrouiller. Allez, ça vous va les gars? On y va. Un pote. Ça pointe beaucoup. Un pote, encore. C'est de le mettre encore. Si je mets dans le jeu, ça pointe beaucoup. C'est de te rappeler. Ouais, ouais. Vous avez-vous les trois boules pour vous débrouiller? Ah, il n'y a pas de souci. Ah, bien joué après. C'est un choix, c'est tout. Ah, ouais, c'est lui, des fois. Il travaille d'équipe. Il a la chance. Ah, mon pote. D'équipe, les gars. Mets le tien. Mettre le sien, c'est vrai que. Je vais essayer, promis. Comme il l'a dit, s'ils arrivent à en faire trois, plus un qu'ils n'auraient jamais dû faire la première amène, ça fait quatre. C'est un bon départ. Et il est un peu court. Un peu, elle est belle. J'étais un peu court. Mmh. Un peu court à la main, c'est là que je voulais jouer. Ah, la première, tu l'as bien levée. Ouais, faut y aller. Ouais, faut y aller là. Ça peut être agréable, non? Je pense. Ah oui. Va doucement, toi tout seul, tu peux faire la main. Allez, Kev. Ah, Kev. Kev, pas de question, tombe dessus, après on voit. Hein. Ah, mon pote, régale-toi encore, ça peut être bien. Ah, s'il tire aussi bien que la première. Aïe. Oh, ça peut être pire bien. Ça perd une poupette. Putain de merde. Cette main là. On a toujours le point, mais. Je vais passer chez nous. Attends, 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 ça va pas trop vite, mec. Tiens, d'accord. S'il vous plaît. Ouais, c'est pas garanti. Allez, de plus près, s'il vous plaît. Tirez juste devant, gros. C'est pour tirer là. C'est le, je pense que c'est logique. 22. Mmh. 21,2. Le point est ici. Merci. Donc, il a démarqué. Ça vaut le point déjà, après ça vaut deux. Ouais, montre-moi là. Bon. Ah, montre-lui comment on tire. Ah, faut tomber dessus là-dessus, allez. Mmh. Allez, Toff, montre-moi là. Allez, Toff, tombe dessus, après ça peut être bien. Ah, mon pote. Pourquoi tu sais mène là? Mmh. Ouais, t'as tombé juste à court. Hein. Moi, je suis juste tonné. Bravo. Ah oui, Christophe Thomas, bravo. Superbe. T'as plus ni ce carreau. Eh ben, 4 au carreau. La première, tu tapes de la joie, t'as fait carreau. Tu peux te faire là, toi. Tu tires. Ouais, je vais. Et ça vaut 3. Régale-toi, hein. Il y en a qui jeune. Quoi? J'ai arrêté de jouer, vas-y, allez. Faut y aller, faut regarder là, ah, sérieux, quoi. Frère. Allez, amuse-toi. Allez, fais-toi plaisir encore. Allez, montre-moi. Tombe dessus, vieux, c'est un jeu, amuse-toi encore, allez. Allez, Toff, allez, fais-nous. Ah, montre-nous là. Imagine un joueur dessus. Ses partenaires, hein, ils ont bon. Imagine. L'engage pour le mettre en confiance. Allez. Bravo, oh, oui, sublime. Waouh. Tiré, bravo. Ah bien, ça fait 4. Bravo, bien. Histoire de parfaire un petit peu ce début de demi-finale. Et autant le premier point est heureux, autant celui-ci est vraiment à mettre au crédit. Ceux-ci, même devrais-je dire, sont à mettre au crédit d'un Christophe Thomas étincelant. Ah oui, Christophe Thomas, là, on peut dire que il a fait le job. Ah, mon pote, continue. Ouais, compliqué, là. Allez, mon pote. Allez, essaye. Hein. Et ça fait 5, 5-0 hein, déjà. Allez, essaye d'arriver dans le coin. Allez. Pour l'équipe emmenée par Christophe Thomas avec Cédric Baldassar. Belle entrée. Également au diapason. Jusqu'à présent, il a bien ouvert les mains. Et il va faire de même. Il dépasse un petit peu, mais. Un petit peu long, mais. Un petit peu long. Un point qui se perdra avant la fin. Voilà. Dans cette finale. Ah, Seb. Bravo, Seb. La réponse, le bras. Tiens, le bras, ouais. Allez, exactement. On verra bien. Avec eux. Bien. Tombe dessus, mon pote, ça peut être cool. Bien pointé. Allez, Kev. Bravo, oh, mon petit. Bien. Super. Ça, c'est du boulot. Ouais. Cool, Kevin Carlier, au niveau des stats. Bien, pote. Super. C'est du très, très solide hein, depuis l'ouverture de cette rencontre-là.
Et de manière générale, les polos noirs, au tir, ça ne rigole pas. Non, mais après... Après, est-ce que la première main où ils auraient dû oui. charger un peu la mule, comme on dit, et qu'ils ont marqué, leur a pas fait du bien un petit peu dans la tête, peut-être. Et puis que tu tombes dessus, là. Faut me faire de la place, mon frère. Mais allez, on peut dire. Allez, par contre, j'ai l'impression que du côté des bleus, ça a laissé un petit peu des traces. Allez, Pix, je vous fais juste de la place. Aïe, 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 le sang. Ouais, dommage. Ouais, 5-0. Voilà, c'est comme ça. 4 boules contre 3. Là, ils sont encore sur une... Oui. Engagés. Ils sont encore engagés sur une pente dangereuse parce qu'il y a un point qui est quasiment ingagnable. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer encore quelques-unes à moins d'un exploit, évidemment, parce que il peut se gagner quand même, mais même si c'est pas facile. Ah, ça... Mais là, si l'équipe en noir elle profite un petit peu de cette main, je pense qu'il y a moyen de faire un gros break. Bravo Seb. Ça c'est le coup de. Une drôle de bonne idée, comme vous diriez. C'est ça. Ça alors, s'il l'a gagné, c'est vraiment le top du top. Je pense qu'il a gagné. Hein. Faire un devant de boule à ce moment-là. C'est une drôle de bonne idée, comme vous dites. C'est la meilleure des idées. 20,7. Le point est ici. C'est gagné. Ah ouais, ça c'est. C'est gagné. Ouais. Sébastien Lebrun. Allez, qui maintient son équipe à flot. Ça, c'est un coup extraordinaire. Ah ouais, ouais. Il faut jouer. À ce moment-là. Il est parti assez loin, on est ensemble. Ah, on pense à rien. Tu sais faire le mieux. Allez, on va canarder quand même, parce que dans ces terrains-là, de toute façon, jouer pour essayer de refaire ou de décaler les boules, c'est des trucs un peu miraculeux. Donc voilà, en tirant, on peut tout faire. Bien tiré, ça va. Bravo. Bien tiré. Il est arrivé à la faire passer. Ouais. Bout, très très bien tiré. Ouais, vas-y, tu l'as poussé. Non, c'est bien tiré. Non, c'est bien tiré. Voilà. Mais je veux dire, il en prend un peu plus. Un tir comme ça, c'est toujours bizarre à faire. Hein. Bah, c'est chiant. Tu fais ça, selon comment tu la prends, ouais, tu peux faire contre-sec. Je sais pas. Ouais, je pense que le périmètre, il est là à peu près. Allez, mon petit. Allez, Moïse. Amuse-toi. Ouais, c'est bien fait, très bien fait. Bravo. La part de Moïse Chanotz, celui que ses partenaires surnomment Picsou. Faut pas y penser, frère. Ah, régale-toi, pousse-toi. Ah, il me semble que c'est le tireur, moi, qu'ils appellent Picsou, non? Ah, David Demestre? Oui. Ah. Il me semblait entendre. C'est la bouscule, c'est bien. Ah, c'est sur la même. La première. S'il continue sur sa lancée. Donc, oula. Non. Ouais, celle-là, elle est mal sortie. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste pas droit. Un beau caillou, il y a moyen que. Ce qui est bien, c'est que t'en restes encore une, toi. Allez, mets-y dedans maintenant, mon gros. C'est pas grave. Merde, t'es sérieux, qu'est-ce que c'est? C'est de la pétanque, t'es foutu, quoi. Allez, mon gros, tombe dessus maintenant. Par contre, maintenant, tu tires de la main gauche. Ça, c'est sympa, en tout cas, au niveau de l'ambiance. L'équipe en noir, ils sont terribles. C'est vrai. Allez, mon gros, fais jouer la dernière, s'il te plaît. Allez, tranquille. Carlier, c'est le Paul Dassar, c'est des boutons de train. Ouais, et un mélanger de contre, attention quand même, mais. Allez. Non. Moi qui est double. C'est un truc de fou, ça. Ah, ça, on s'attendait pas. On s'attendait pas à ça. Après la main précédente, mais. Ah, ce devant de boule, il a fait du mal quand même. Hein. Désolé. J'abandonne la main, Poitet. Non. Tiré, faut qu'il vienne encore après. Attends, on est en troisième. Ouais. On est en deux, et après ça, nous. Moi, je tirerai après. Si je fais contre-sec, c'est que j'ai fait carreau. C'est moi qui m'a tiré. Allez, j'y vais, les gars, ça vous va? Allez. J'ai un poids de rouge, rien. Allez, on s'amuse. On s'amuse, bien sûr, demi-finale. De champion de France, on s'amuse. Ah ouais, bouscule-la un petit peu. Mais après, attention, c'est eux qui ont raison.
Allez, essayez de bien tirer ça là, et encore, hop, pas droit. Non, par contre là... Il y avait encore moyen de, d'espérer marquer, alors qu'un point de temps, c'est compliqué. Et du coup, sur une main où les Bleus étaient très, très mal partis, et on se retrouvait... Allez, mon pote. On va ouvrir leur compteur. Ouais, sauf s'ils ne tirent pas très bien, mais évidemment. Trop KO. Oh, putain. C'est pas mieux tiré. Ce sont 4 tirs consécutifs. Manqué de part et d'autre. Pas un effort, putain, pas un effort. Pas une boule tirée, putain. Et malgré les jurons de Moïse Chanotz, le dépit de ce dernier, eh bien son équipe ouvre donc son compteur. Et il n'est plus mené que sur le score de 5-1. Ouais, le devant de boule a fait du mal. On le répète, mais... Allez, on va mesurer ce bouchon. Quatrième main, si les comptes sont bons. On va demander, ils sont bons, on va demander à nos deux arbitres de sortir le décamètre pour vérifier la distance. Alors, on doit flirter avec les 10 mètres, effectivement. Cattelli, avec la casquette noire. 9,74 mètres. P4, 2C. L'arbitre international. 9,74. Alors, je ne veux pas vous piéger, hein, Jean-Luc, mais on connaît évidemment la sélection des joueurs qui se déplaceront au Canada. Est-ce qu'un ou des arbitres français également font le voyage outre-Atlantique? Non, aucune idée. Voilà, donc, je suppose que oui. On se renseignera. Et... Je suppose que oui, parce que. Alors, ce serait étonnant de ne pas avoir des arbitres tricolores quoi, oui, sur le championnat du monde. Voilà. Il me semble, après avoir reçu un message de notre réalisateur, Jean-Marc Stableur, me donne l'info. Jean-Marc Stableur, voilà. C'est ça. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à Jules. Non, Patrick Bugin. Que Patrick Bugin sera du voyage. Le résolu. Allez. Bugin qu'on avait vu sur les Masters il y a quelques années. Allez, c'est ça. Ces deux années sur les Masters, on s'en souvient. À la fusée. Ah, si vous étiez avec nous à l'occasion du quart de finale, choc hein, entre l'équipe emmenée par Philippe Quintet et celle des tenants du titre varois. Vous avez vu hein, des garçons comme Philippe Quintet, comme Henri Lacroix, se perdre, hein, être vraiment en difficulté sur ce terrain. Donc, oui, terrain très 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 compliqué. À gauche, c'est un petit peu plus mou, je pense. On a vu Julien Lamour et un Stéphane Robineau jouer à un niveau exceptionnel. Le terrain descend un peu, c'est trop beau. C'est pas la même. C'est pratiquement la même, je pense, non? Presque. Après, il y a des endroits qui sont plus compliqués que d'autres avec des départs un peu plus faciles. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il n'y a pas d'endroit plus ou moins plat ou plus ou moins épais ou plus ou moins avec lisse, c'est-à-dire sans trop de gravette, ben, là après c'est de l'art. Aéro. Demi-donné. Bravo Seb. Tranquille, bravo. Il s'est pas fatigué lui. Ouais, pour l'instant. Sébastien Lebreu. Ouais. Derrière, il y a de la place, j'en vois bien en plus. Voilà. Il est au rendez-vous là, ce capitaine d'équipe. En tant que gaucher à ta main, hein. Aussi court. Ah, essaye de faire jouer. En tant que gaucher, là, même si tu bloques là, tu vois, c'est bon, je pense. Bah, viens dans le jeu, petit. Hey, Christophe, va te mettre là tout ça pour voir ce qui se passe.
participer dans le jeu, on verra bien. Un petit peu le genre de partie où je dirais où j'aurais tendance à dire que ceux qui ont le mieux pointé allez, bien joué. Vont s'imposer. On peut y aller. Hein. Très bien joué, Pierre. Tiens rien. Bah, jouer la boule, c'est compliqué, là. Hein, à ce niveau-là, quand on se retrouve avec des micros devant les caméras en demi-finale de la championne de France. On va jouer parce que si on n'en voit pas rien, la scène. Il y a rentré, mais il faut jouer fort pour enfin. Mais la différence, c'est que l'heure, elle est derrière. Je veux dire, ceux qui sont en contre, ils tirent bien. Si on n'y va pas bien, je veux dire, parce que si on y tire, il faut qu'ils gagnent. C'est facile à tirer non plus. Après, il faut qu'ils gagnent sur la pousse. Même si je gagne pas, tu peux encore y aller. Avec ta boule devant. À deux boules contre quatre. Avec ta boule devant. Il faut y aller. Même si je gagne pas, il peut y aller, je pense. Et la boule en contre là-bas. Ouais, il faut y aller. Celle-là, elle est en contre. Tu vas y aller, vas-y. Il a raison. Ouais, on est bien là-bas, on est devant, il faut qu'il joue après. Vas-y gros, il faut les gagner encore ceux-là. Tombe dessus. Vas-y. Là-dessus, il a joué. 15 secondes. 15 secondes, allez. Eh, tombe dessus, mon pote. Eh, ça peut être bien là. Eh, tombe dessus, Kevin. Allez, gros. Il a raison. Pose-toi pas de questions. Il a raison, Kevin. Eh, c'est pour toi, vieux. Voilà, là, quand il faut y aller, il faut y aller. Après, il faut bien tirer, ça, c'est notre problème, mais le vrai jeu, c'est d'y aller. Bravo, petit. Tiens. Bravo. Bravo. Ça, ça va faire jouer. En plus, ils défendent des points qui peuvent se perdre. Ah, tu points, je mets pas la main. Non, je sais, c'est pour ça que je suis joué. J'ai tout pour bien jouer. Moi, non, mais c'est pour ça qu'on en avance une. Après, elle est dans le coup. Ouais, d'autant plus qu'on n'avait pas de vision sur le chrono, mais on était vraiment dans les dernières secondes. Hein, donc, ouais. Une dose de pression supplémentaire. On avait entendu 20 secondes voilà. De la part de l'arbitre. Bien joué. Bravo, petit. Bravo. Ouais. Ça fait carreau avec un caillou. T'as fait perdre le note là-bas. Allez gros. Voici. Ah mon gros, tombe dessus, on verra. Kevin Carlier, peut-être un petit peu. Eh Kevin, tombe dessus. Eh petit. Son axe de tir, même si là pour le coup, le public alsacien parfaitement discipliné. Hop, le bouchon. Tiré. Oh, elle a bien tiré la boule. Casquette, voilà, c'est ça. Après, ça fait partie de la réussite, mais la boule, elle était bien tirée, elle était frappée. Elle n'a pas été tirée, elle a tiré. D'abord, je lui ai dit, tire bouchon. C'est moi qui l'ai dit. Désolé. Je lui ai dit, tire bouchon. Kevin Carlier, en tout cas, qui noie involontairement ce bouchon. Et on en reste donc à ce score de 5-1. Il va monter vers les tribunes, ça va. Tu vas voir le panneau. J'irai le panneau, il va mourir. Oui. On va faire le carreau là. Je préfère le carreau. Parce que même si on a un beau jeu, s'il pointe bien, il peut gagner. Oui. Bon, j'en perds une à chaque fois, faut pas que toi, quand tu tires, t'es dangereux. Il y a cassé de manière en plus, je crois. Ouais. Je sais pas. Si, il avait cassé. Il est large. Peut-être. Ah, t'es large. Hein. Avec la casquette, elle est. Avec le fait qu'il a porté son caillou. Bouchon, il a pris, il avait qu'un. Il a pris, il avait qu'un. Ah. Après, il était encore, ça peut la tirer. Mais je veux dire, quand il a eu, il avait qu'un, quoi. Bravo, bon, bravo. Celui-là, il est. Bien, pas mauvais du tout. Allez, Cédric. Allez, un peu de place, allez. Ah, on sent Sébastien Lebrun qui se met tranquillement au niveau de cette partie, ouais, de bon cette rencontre. Allez, Cédric. Bravo, hein. Super, bien. Si elle tombe bien, ça va. La réponse de celui qui est lui, hein, dans son match depuis le, tu les envoies bien, le début. Ça peut aller, c'est une balle d'Assar. Bravo. Bien tiré. Bien, mon bonhomme. Bravo. Oula. Oh.
C'est pas mal parce qu'il n'a pas dû gagner, mais en tapant est à eux. Tu aurais passé des deux, je pense. Bon, arrêtez, bon, deux jaloux, tu partais vite quand même. Ah, allez, jaloux, ça y est, j'en ai joué deux, et vous êtes jaloux. On va tirer quand même. Hein. Elle va passer sale facile, on tombe dessus. On est un bon jeu là. Tu fais même qu'il l'a fait en plus, on est bien. Ok. Allez, gros. Elle n'est pas spécialement facile à tirer. Elle tombe dessus. Pour un droitier, mais s'il tape, il fait du boulot. Oh, bravo. Bravo, voilà. Voilà, ça. Bah ouais. Ça, c'est la classe. Les deux, c'est bien. Les deux, c'est bien. Allez, oh, reste fais-toi plaisir encore. Et ça a coupé le sifflet de Cédric Baldassare. Et ça, rien que ça, ça semble costaud. C'est pas le plus facile, apparemment, ouais. Ça c'est vraiment tiré. Oh, oh. Ça c'est bien tiré aussi. Hein. Ouais. Bien tiré. Bien, Feno, bravo. Ouais, belle ça c'était très très bien tiré aussi. Ah, c'est bien. Fallait que je les prends bien. Ouais, ça. Tu avais tiré, hein. Parce qu'elle passe pas, dit que c'est le pass, c'est bien. Ouais, Seb. Aéro. Corco là, tu prends les deux. Bravo, gros. Super. Mais oui, parce qu'ils sont là, il faut les gagner quand même. Bien tiré. Il a dormi ici, Seb, ou quoi? Il a dormi ici, ou quoi, Seb? Ils ont mort demi, elles arrivent bien. Bravo. Bien, petit, bravo. Ouais, bien. Vite tiré dans la foulée, là, ça. Mine de rien, c'est. Moi, je fais des efforts. Un gros, gros pourcentage. Un gros pourcentage. Ouais, petit. De boules jouées, là, sur cette main. Exactement. Reste là. Bien, bravo, bravo Moïse. Bien, frère, super. Allez, montre-moi là. Allez, toi, tranquille. Allez, mon gars, tombe dessus. Tu vas défendre maintenant, c'est beau. Même si la pousse plus vite, c'est bon. Tout de suite, d'abord. Bravo, ouais, c'est tapé. Bien, petit, bien. Bien tiré. C'est important de le gagner maintenant parce que c'est le seul moyen qu'il a d'espérer marquer. Reste là. Bien joué. Bravo en plus. En bien. Plus, il a gagné quasiment en face de la boule de ses adversaires. Il faut y aller quand même, hein. Toi, t'es abandonné. Pose-toi pas de questions. Tu fais carreau, t'auras fait contre. Stop, ça s'arrête là. Et il a l'heure aussi, hein. C'est la putain. Après, si tu veux passer, tu pâtes. T'as un peu de place. T'as bien mis ce PD. La pointe est jamais droit quand tu tires. Ouais. Non, mais comme tu veux. Non, je vais. Vas-y, tu tiens chaud. Mais oui. Bah oui, c'est pour ça. Allez, allez mets-moi un pétard là-dedans, toi. On verra bien. Si tu poses des questions, c'est pire. Hein. Ouais. Dans le rond, tu tombes dessus, stop, hein. On verra ce qui se passe. Hein. Mets-moi un pétard là-dedans, allez, tranquille. Jusque-là, bravo, allez. Jusque-là, au niveau théorie, il a raison. Cours. Oh. Aïe aïe aïe. Ah, il tape la sienne. 4 mètres devant. Cours et il a tapé la sienne. Exactement. C'est à nous ça. Deux. Ils vont lâcher deux points dans l'affaire. Ah là 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 là. J'ai plus de boule. Allez, profitant des quelques erreurs de leurs adversaires. L'équipe de Sébastien Lebrun qui grappille progressivement avec ses deux points supplémentaires.
Après Simen, ils ne sont plus menés que 5-3. Le derby nordiste se resserre. Pas de courbe, rien. Ça, c'est la peur, ça, 3-2 pour. De quoi? La peur de faire mal. Là, ça n'a pas l'air très très loin. Ça va bien, retranquille. Ah ouais, oui. Aéro, ah, retranquille, c'est mon pote. Ah, c'est mon pote. C'est mon c'est tout. Aéro. 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 Que le temps ici à Strasbourg se fait de plus en plus menaçant. On pourrait avoir un petit averse quand même dans cette rencontre. On l'attend pour un petit peu plus tard. Je vous trouve bien pessimiste. Autant que les prévisions météo. Ah, pas plus. Ah là, par contre, j'ai pas consulté. Je ne vais pas vous dire. Voilà. Moi, oui. Mais oui, parce que moi, je crois savoir que. Mais le jeu, si vous ça avez va, de, la famille proche qui est originaire de l'Alsace, mon cher Guillaume. C'est ça. Ah, vas-y alors. Donc vous connaissez la région par cœur. Par cœur, j'irai pas jusque-là. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai raccourci alors que j'aurais pas dû. Je voulais jouer avant et voilà. Pourquoi j'ai joué avant? Je dois jouer là, je l'ai dit en plus. Allez, attention. Ouais, parce que si on a un petit truc à reprocher à l'équipe. Boulet inutile a perdu. En noir, enfin, à reprocher entre parenthèses. C'est pas qu'il parle beaucoup parce que justement nous ça nous évite. Ouais, non mais en fait c'est là je voulais envoyer, je me disais un coup pour être tranquille et au final c'est pire que mieux. Du boulot. Par contre moi là, je trouve qu'il joue quand même très 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 vite. Ouais. Perdre des boulets inutiles. Pour ne pas dire trop vite. Aussi dur que ça. Ah fais-le avant, n'importe quoi, envoie-le là. J'ai envie de l'envoyer là et l'autre. Tu peux aller à la place. Ouais, pas évident, c'est comme tu le veux. Prends de la place, mais bon. Et ben ouais, je joue en direction de ma boule, peut-être, non? Ah non, hein, non, si tu passes de travers, tu tapes leur boule. Je joue normal, peut-être, avec vous. Ah oui, si je joue là. Ouais, mais si tu arrives à. Tu tires des boules là. Là, c'est pas très très loin. Ah, moi, je peux jouer là. Le point s'est déjà perdu 9 fois, ils ont la boule d'avance. Je vois même pas pourquoi ils tirent pas. Je te demande après, je dis mon avis après. C'est pas des jouets tirés. Bah non, ils sont bien. Ben voilà. Hein, Picsou. Ah, vous voyez que c'est le tireur Picsou. C'est vrai. Amuse-toi, papa. Exactement, exactement. Bah, évidemment qu'il faut tirer. C'est pas loin. Voilà. Et ça se confirme sur le fait qu'ils sont pas. En plus, il a très très bien tiré la main d'avant. Il avait pas fait enclin à tirer. Une petite marche arrière, après il avait tapé dans les deux. Là, le point s'est perdu une fois, on sait jamais. On peut se perdre encore, c'est pas loin. Attends, fouille avant, chapeau. Quoi? Joue comme toi, tu le sens. Hein. Allez, je joue rien. T'es tombé mou, toi. Tu peux la jouer là, mais. Vas-y, comme tu veux, allez. Eh, toi, c'est toi qui la jette. Hein. Bravo, mec. Bravo, ouais, super. Belle reprise. Très belle reprise. De la part de Christophe Thomas. Marqué tôt à peu près. Quoi? Je n'ai même pas sauté. Ouais. Bravo. Tiré, bravo. Ouais, deux boules parfaitement négociées. Et voilà, deux points par terre, trois boules pour trois. Bien petit. Quoi? Ils sont en marche désormais. C'est une mène à l'avantage de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont inscrire 4 points. Pour se détacher donc dans cette finale, 11 à 6 face à la Guyane. C'est que là maintenant le carreau il peut se perdre. Hein. C'est pas il peut, c'est il devrait. Oh. Attends, hop là. Pas joué à grand chose. Prenez la route. Joué. C'est fait. De peu. Prenez la route. De peu. Il est suffisant pour le perdre. Un tour de trop. Ouais. Attends, c'est pour toi aussi. Hein. Avance. En pointant, il a tout pour lui. En tirant, il fait un beau jeu aussi. Tire au fond derrière. Moi, j'aurais tiré perso. Tire une fois. Si, bien. Avance, ok. C'est pas déjoué, hein. Allez, tombe dessus alors, régale-toi. Au point, il est super chaud. Il a raison, allez. Rien, pas dégueulasse.
En pointant, faut le toucher. Hein. C'est bon, c'est qui en pointant? C'est sûr que si on dit on fait un grand boule, un bouchon, on est bien. Faut le faire, monsieur. Ah, mais là, des deux grandes boules et une chose. Sur cette terre-là, tout à l'heure, on en a eu un. Mais... Pas des questions, allez, mon gros. Casse-toi pas la tête, tombe dessus, là, allez. Voilà. Allez, voilà. Allez, gros. On fera pas, il faudra jouer, c'est sûr. Par contre, ils vont se faire contre-attaquer. Ça, c'est quasiment sûr aussi. Hein, mon gros. Si c'est pour toi, tombe dessus. Si on pas le carreau, je pense pas que les bleus s'amusent à pointer. Bravo, bien. Bien tiré. Ouais, très, très solide. Hein. Depuis le début de cette rencontre, là, Kevin Carlier. Voilà, les bleus, ils ont le point tapant, trois boules contre une, donc ils vont y aller. Ouais, bravo, Maurice, bien bien tiré. Moïse, Chanot. Allez, gagne le gros. Allez, gros, doucement. Parce que la boule, c'est bien. Allez, gros. Celle-là. Mal tombé. Ouais. Là, c'est deux ou trois points cadeaux pour l'équipe bleue. Après, la donne, elle est là. Hein. Pas le cours, je pense. Ouais, mais là, elle a rien à voir, elle est l'impact. Écoute, je pensais l'avoir bien joué. Ben, moi aussi. Aéro. Qui risquerait bien de prendre. La tête. C'est ça. Ouais. Bravo. Voilà deux, déjà ça fait égalité. Allez, ton mec, je la possibilité est offerte donc. Ah, Maurice Chanotz, eh bien, de donner l'avantage pour la première fois dans cette demi à son équipe. J'allais dire, il ne va pas s'en priver. Voilà qui est fait. Avec ses trois points supplémentaires, l'équipe donc de Sébastien Lebrun, l'équipe bleue. Eh bien, prends les commandes pour la première fois et mène désormais 6 points à 5. D'accord, d'accord, pas de soucis, je pensais qu'il était un peu moins. Ton carreau, s'il fait une boule de plus. Allez, les poteaux. La première, si. Je gagne tout de suite déjà. Je fais la cale, pareil, ils vont pas tirer au plus. Allez, 7 mènes déjà disputées entre ces deux parties nordistes. Et l'équipe de Sébastien Lebrun qui semble avoir pris la mesure de son adversaire, en tout cas la pleine possession de ses moyens. Il s'était mené 5-0 et voilà désormais devant 6-5. Après, c'était mené 5-0. Après une première mène quand même. Oui, c'était à leur avantage. Largement. Tout à fait, vous avez laissé. Alors, avantage quand même. Vous avez laissé des points. Bravo, ça. Bien joué. Ça va être courte. Ça va être courte, ouais. Courte à 2 mètres. Je relaisse. Trop, je relaisse. Merci de bien. Merci. Soit je joue en haut, soit je joue droit. Soit on tire. Bon, on tire. Hein? Voilà. On attend, non? La boule, elle est dedans. Ouais, on attend. À chaque fois, on donne un temps, on en perd une et après on dit. Ouais, mais après, c'est parce que je l'ai mal. Elle est belle, là. Elle est belle, elle est devant. Il y a 7 mètres 50 allez. Mètres. Allez, go. Tu peux aller. Ça évite de sortir. Allez, on y va. On a le temps, t'as raison. Allez, on fait la place. C'est peut-être pas déjoué. Non, non, non. Ouais, c'est peut-être pas déjoué. Hé, Kev. Ouais, je crois que c'est lui qui a raison, hein, Kevin. Et sur ça, là, il faut y aller, hein, même s'il si, ne lui fait pas faire beaucoup de place. Bah, ça, c'est bravo. Ouais. Évidemment, c'est encore mieux, mais... Et là, si on s'amuse à pointer dans ce genre de terrain, sur des boules comme ça, on est obligé de jouer à l'extérieur. Alors déjà que les terrains sont difficiles, très très compliqué. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué aussi de prendre ses responsabilités dans des parties comme ça. Mais il l'a fait et il l'a très bien fait. Malheureux quand même. Aéro. Ah, Seb.
Ah, aéro. Je mets un problème là. Périglan, non. Pareil. Pas mal tiré non plus, hein. T'es juste sur le côté. Tiré aussi. Aéro. Oh, celle-ci elle a mal tapé. Ça alors. Eh ben. Tu peux chercher dans la boule, non ? Non. Dans la boule, non ? Non, non, on cherche pour gagner. Gauthier, il a eu une drôle de bonne idée. De pousser un tout petit peu ses partenaires à y aller. J'ai pris un pic direct. Parce que non seulement il a pris la bonne décision, mais. C'est dingue, ça. Très, très bien tiré. C'est dingue. Et là, du coup, il se retrouve avec une. Bravo ! Une belle ouverture, il faut continuer. Exactement. Hey Kevin, rappelle-toi, vieux. Allez. On va poursuivre, effectivement. Attends, c'est dessus. Lui qui a ouvert la voie. Allez, hey Kevin, régale-toi. C'est lui qui a fait ce choix qui. N'était pas évident pour ses partenaires. Un mon gros elle tombe dessus. Allez, c'est pas la première fois qu'il s'y reprend deux fois. Allez, hey Kevin. La troisième fois. Allez, dans cette demi. Ça a toujours été couronné de succès, d'ailleurs. Voilà, bravo, j'avais 203. Bravo. Ça c'est intelligent aussi hein, d'avoir la capacité à chaque fois de se savoir s'y reprendre à deux fois. Hein, c'est vachement précieux. Hein, parce qu'on entend souvent les joueurs dire mais j'aurais dû. J'aurais dû. Mais après c'est trop tard. C'est ça. Là je suis dedans. Là j'ai pris un truc. Eh Moïd encore s'il te plaît. Allez frère. Allez. Oui, parce que là maintenant. Mais une belle, t'es bien dans le jeu, c'est moi aussi. Hein. Oui. Au boulot pour deux, un point qui est quand même assez compliqué à gagner. Bien Moïse. Elle est belle, elle est dans le jeu, mais elle n'a pas gagné. Un peu court, hein, dommage. Allez là, allez là. Dommage. Eh mon Picsou, viens dans le jeu là. Ouais, l'idéal c'est d'en mettre une autre ouais, pour les forces. Ça ne servira pas. Bon, on verra bien. Hein ? On verra ? Je vais là. Il en reste qu'à 4 quand même. Il a fait un drôle de boulot, Kevin. Ouais. Avec ses deux boules, il a fait jouer les 6. Il faut tirer. Voilà, vous avez un. Hein, les... Ça fera 3 points. Ah non, il ne tire pas. Les boules, les différentes équipes. Il ne tire pas, il ne tire pas. Moi, je retire à celle de devant. En tapant celle de devant, après, il n'y avait quand même plus grand chose qui gênait. C'est marche arrière, c'est dangereux. Ah, t'as pris un pavé, il t'a fait reculer. T'avais gagné. Elle est dangereuse. Après, je jouais pareil. Hein. Ouais, je joue pareil, il te manque un tour. Manque tu rien, passes à côté, tu gagnes et si tu touches, c'est bien. Je vais passer la première dehors. Pour une fois, je joue bien la première. Ah, Cédric, mets-le celui-ci. Allez, allez, on va. Pour une fois, je joue bien la première. Ah, t'as le caillou, il a fait reculer, il avait gagné. Ouais, il a peut-être passé la tête. Ouais, il avait passé la tête. Bravo. Bravo, bien joué, super. Si j'avais tout, j'avais tout fait. Après, c'est bien, c'était la dame. Celle-ci, elle était passée. Elle était passée, elle a reculé. Mais là, je sais. Passée. Mais après, c'est qu'elle n'est pas assez bien jouée. Il manquait un tour. C'était pas net. Un tour de plus. En direction. Bah, non, les donnes, elles sont là, les donnes. T'en vois là, comme, je pense, comme Cédric. Force-toi à mettre les deux, toi. Ouais, que t'as pas de gauche. Joue le point. Hein. Si tu t'en mets un, déjà trois. La boule, est dans le coup, de toute façon. À chaque fois, elle sera dans le coup. Allez, Toff. Super, bravo, poteau, lui super. Est passé, il est là, ce troisième. Joué là. Pareil, hein. Joue pareil, je cherche pas à forcer la boule. Si t'es sûr de trouver ce que je pensais, alors. Change rien, change rien. Pareil. 4, c'est magnifique, si t'arrives à le mettre, c'est super. Tu mets bien, c'est magnifique. Ouais, ils l'ont dit, il manque un demi-tour. Allez, Toff. Ah ben, c'est surtout que maintenant, il a la possibilité d'en faire 5. S'il touche, s'il est touché. S'il arrive à l'attraper, oui. On passe juste à gauche depuis tout à l'heure. C'est ça, il faut toucher un peu celle qui est devant. Allez, ce serait pas mal, effectivement, pour conclure. Il va là, tout. Oh, super. Il est rentré de deux ou pas? Alors, est-ce qu'il y en a 4 ou 5? 4, c'est sûr. 5, je sais pas. Ouais. 4, on est sûr. Et elle est donnée. Bravo. Elle est donnée. Oh, quelle réaction de la part des polos noirs de Christophe Thomas. Ils se sont régalés. Et ça a été bien initié, hein, comme vous le disiez, par Kevin Carlier. Hein. C'est lui qui a eu la bonne idée au départ.
et qui a, outre avoir eu l'idée, qui a concrétisé derrière. Non, déjà, non, mais déjà, oui, les autres n'y pensaient pas forcément. Non, voilà, déjà, ce qui est important, c'est déjà d'avoir l'idée. Après, après, il arrive ce qu'il arrive, mais s'il commence à pointer sur des boules comme ça, c'est quand même très, très compliqué dans ce genre de terrain. Donc, l'idée, c'est lui qui l'a eue. Après, qu'il ait bien réalisé, ça, c'est autre chose. Mais l'idée, déjà, il faut l'avoir. Allez, la lucidité de l'avoir à ce niveau de la compétition, c'est important. Et le résultat, je pense que ça peut être pas mal. Saint-Christophe Thomas et voilà, ses partenaires reprennent l'avantage, mais de quelle manière hein. Mène franche, lourde, ça fait 10-6 désormais. Ils se mettent à porter deux finales des championnats de France 2018. Voilà, rien que ça. Bravo. Bravo, super. Voilà. Putain, je suis tombé sur quoi là. Bien les poteaux, hein. Franchement, il y aurait vous. Pas bien. Certain. Travail d'équipe. Qui vous pensez à un tel parcours au moment d'aborder ce. Un petit derrière, un petit peu derrière, mais, mais bien joué. Tu as voulu qu'il rebouche pas, mon effet. J'ai dit quoi ? Pas voulu, mon effet. Depuis hier, il voulait pas que je tire rebouche en même. Et là c'est pareil, ça c'est des boules, ça c'est des points qui sont gagnables en jouant bien une fois sur deux, une fois sur trois. Elle n'a pas joué la boule. Elle n'a pas joué la boule. Alors c'est vrai qu'elle est derrière, mais ah. Mais bon à ce niveau-là, on sait très bien que les joueurs qui sont là sont capables de taper des boules. Et comme ça c'est des points qui sont quasiment ingagnables, je vois pas pourquoi ils y vont pas. Ouais, c'est mieux, enfin, pas tout à fait. Un effort, la boule. Voilà, donc maintenant ils vont les tirer, mais avec deux boules de retard, donc c'est pas les conditions idéales. Parfois les donnes, c'est les mêmes. Hein, mon petit. Voilà. Bravo. Bravo. C'est les mêmes donnes. Quelle erreur qu'on fait, je te jure, c'est pas bon. Pareil, allez. L'erreur de fou qu'on fait. C'est pas d'erreur, ça, ma boule, elle est mal jouée au départ. Allez, Cédric. Allez, fais jouer encore. Les boules à 20 à 25 cm dans ces terrains-là, même si elles sont derrière. Hein. Oh, s'il te plaît. Elle a gagné. Oh, bravo, bien super. Joué. Non, c'est bien. Bravo, t'es fou. Elle est super bien jouée, la boule. Elle a fusé un peu au départ, mais. Ah ouais, mais tu dois la faire belle et. Tu dois la faire belle et peut-être c'est peut-être pas plus mal. Hein. Oh, déjà, il a gagné, il fait jouer. C'est du bon boulot. Hein. Après, c'est vrai que s'il veut embouchonner toutes les boules, dans ce terrain-là, ça va être compliqué. Mais là maintenant lui il a fait son boulot, si ces bombardiers font le leur. Aïe. Ouais, ça fait jouer, ça fait jouer. Et oui, bien sûr que ça fait jouer. C'est important de gagner ces points-là. Et de les gagner moyen ou pas, c'est pas le plus important. L'important c'est de le gagner et de faire jouer. Et là maintenant, grattage de tête du côté des bleus. Alors on pointe. Bah oui, tu es pas la 10e mène de cette finale. Alors, tu tires au but, mon frère. Alors, on tire au but. C'est plaisir, tu vas sortir. La décision est prise. Fais-nous voir. Tu l'as déjà fait 40 fois dans la partie, là. Allez. Allez, à Pixon. Allez, tire au bouchon, donc. Eh non. Non. Eh, moi, il gagne, lui, on verra. Ouais. Il n'y a plus de possibilités. Ah, merci, au revoir, Edo, je vais faire. Ah, et ouais. Je peux comprendre la déception là, de David de Maestre. Mais là-bas, il fait une erreur de jeu à mort. En fait. Ben oui, oui, parce que s'il commence à tirer après. Bon, ben. C'est bien joué, mais de la part de Moïse, mais ça risque de pas suffire. Allez, gros. Allez, pense-y. Allez, Kev. Ah, surtout, c'est Kevin Carlier reste sur ses standards. Hein. Parce que non, mais c'est pas ça, mais c'est quand il rentre tout de suite après Sébastien Lebrun, lui, il aurait joué pour. Dessus, pas pour gagner un point qui est quasiment ingagnable. Et des fois, ça peut changer plein de choses. Alors là, même s'il tombe sur le bouchon, il a gagné. Bien tiré. Ça fait un peu de place, mais le point ne doit pas être à lui. La passe. Non. Par contre, ils ont un petit peu de place. Trois boules, il faut mettre les trois. Bonjour à eux. Vous, là, non vous les mettez, c'est bien. Hein c'est pareil. Dommage, hein je suis pas belle. Ah ouais. Bien tiré.
Ah, mettez-le. Non, en même temps, le jeu n'est pas dégueulasse. Hein. Ils ont le petit point. Peu de réussite. On est en deuxième. Le jeu n'est pas dégueulasse. Ils ont le point, là. Non, ah, c'est à la boule à mouiller. Déjà, fais-toi le point, c'est pas mal, je trouve. Allez, essaye de rentrer. C'est du bonus si vous n'en perdez pas au point. Hein. Allez. Ah, mon pote, fais-moi plaisir, là. Essaye de rentrer dans allez, le coup. Petit. Allez. Déjà, il gagne le point, il rentre sur celle devant, ça vaut la gagne. Mais oui, on verra après. Déjà, s'il joue bien. Bien joué, bravo. Il joue très bien. Bien, 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 petit. Il joue très bien, Christophe Thomas. Attends, attends, va doucement. Allez. Dis pas que t'as le temps. Voilà. Vous parlez de la vitesse de jeu de ces. Ah, c'est vrai que c'était qui s'il prend un carton, ce sera pas pour dépasser mon but. Ah, bah, mon pote. Faut essayer, mais là, allez. Allez, pas essayer, tu la mets, Dieu. Allez, ton gros, allez, vas-y. Possibilité de laisser Kevin Carlier offrir le 13e point à son équipe. Allez, le 12e avance là. Même s'il rentre, je pense que Kevin, il aura tapé gagné. Ah ben, il va avoir tapé gagné. Voilà. Laisse-la devant. Il faut y aller, hein, c'est la gagne. Eh oui. Ça vaut la gagne. C'est ça. Gagne. Elle passe droite, que ce soit en foot, elle passe droite. Kevin, allez, c'est la tienne, celle-ci. Hein. C'est un atelier. Oh, réveil. Boule adverse entre deux boules à soi. Ah, ça, c'est des... À la base, on sait qu'on va compter sur lui. Ouais. On allez, mon pote. Là, il tombe dessus, il ne pas de question. Ah, mon gars, c'est le faire. Montre-moi, gros, montre-moi. Puisque le point, il est devant, donc il y a quand même moins de... Bon. Allez. Ah mais après les terrains restent difficiles à 0 à 0, il reste difficile à 10 à 6, alors là ça c'est des boules qui pèsent en général une tonne. Alors maintenant, comment il va gérer ça Kevin Garnier? Va doucement, allez, on tombe bien dessus. On va pas tarder à savoir, ce qui se passe pour la suite. Il a fait sa partie. Eh poteau. Un peu court. Ouais. Un point, les gars. Elle était lourde celle-ci. Elle était très lourde. J'aurais mieux s'y reprendre, non pas à deux, mais à trois reprises. Une automne. Exactement, exactement. Et je pense d'ailleurs qu'elle allait plus taper la sienne. Elle était plus dans l'axe de la sienne que de la boule adverse. Hein. Donc voilà, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et ben, c'est un point supplémentaire hein, tout de même hein, pour sursis. L'équipe de Christophe Thomas et un sursis, vous avez raison, accordé à Sébastien Lebrun et ses, et ses coéquipiers. J'ai vu jeter, j'aurais pas joué, franchement. Ah mon Cédric. C'est dommage. Ah c'est son premier tir où il n'a pas trop réussi parce qu'il l'avait bien tiré la boule. Hein. Si le bouchon ne bouge pas, ils avaient un droit à un joke. Trois boules pour en mettre deux. Bien joué. Mais on t'a pas chargé, c'est bon, c'est bon. Oh. Hein bah, c'est stressant les boules comme ça, non? Ah, puis chaud. C'est stressant les boules comme ça. Oui, c'est vrai que. Un petit peu. Ça suffit. Pas si bien. Facile au point. Ouais, au point, était pas dur. Elle est pas montée la boule. Elle est montée. C'est la même. Ah ouais? Allez, faut y aller. Moi, je dis c'est pas la même, c'est tout, j'ai raison. Charlot, zéro et replay. Chiquet, tiens, là, c'est. Si on ferait. Bien tiré. Bravo, Picsou. Ah, il faut venir après, maintenant. Du côté de Sébastien Lebrun. Vous voulez mettre la strafe, maintenant. Ah. On a une confiance. Ouais, mais après. Ah, ouais, non, là, il faut plus laisser. La main de 5. Il y a moins de possibilités. C'est vrai que j'ai mal tiré la première main, mais bon, après, voilà. À l'adversaire de scorer. Hein. On la main, tu nous vois des marques. Ils sont à 11 maintenant. Après, c'est un avant, ça va être plus c'est... franchement le droit à l'erreur. Il dit au pied, je ne vais pas ramasser cette pute. Le chiquet. Ouais, bon. Ah, il est un poil court. Ça fera pas tirer. L'équipe en noir, je ne pense pas. Quasiment 80. Ouais. 10 un mètre devant. C'est bien. Oui, c'est sûr que maintenant faire la reprise, c'est même très très bien. Laisser la boule au point, c'était plus simple. Ah, peut-être. Bravo, bien. Super. Bien joué. Bravo, ça c'est du beau boulot. Pas qu'on se prend le carreau maintenant, c'est ça le truc. Oui, mais voilà. Toi, arrête, parce qu'à chaque fois que tu dis ça. Il les a fait lui. Mais les demande. C'est le jeu, gros. C'est court. Voilà, il n'a pas fait le voyage à vide. Il a quand même pincé le but. Désolé. Petit coup de chance parce que là ils étaient condamnés à tirer au.
Et j'étais condamné à tir au bouchon. Alors que maintenant, c'est un petit peu plus loin. Si des fois, ils en pointent 3 bien, ils peuvent espérer encore un petit peu. Ça va passer déjà par un point de haute volée pour Sébastien Lebrun. Ça commence maintenant. La Nouvelle-Calédonie, Spilouz, Moïtawa et Tamarodon mènent 12 à 9. Aéro. Là, il faut venir prêt absolument. Bravo. C'est pas mal du tout, mais c'est pas assez prêt pour faire tirer. On peut rester en haut là, super belle à jouer. Comment, comment tu les envoies depuis tout à l'heure, si tu arrives à bien l'envoyer dans du plat là. Allez. Non ah, regarde un rond, peu, regarde. Allez, t'as deux boules pour te régler. Plaisir, après. Là. Allez, essaye de le gagner. Après Kevin Niger. Ah mon pote. Allez, essaye de nous faire plaisir là. Alors Christophe Thomas, boule importantissime. S'il gagne le point avec sa première, il fait un gros, gros, gros boulot. Oh, avec un petit peu de réussite. Pour pas dire beaucoup. On n'a pas trop de réussite. C'est vrai. Ils sont en train de dire, c'est vrai, Picsou, lui, en manquant, il a tapé le but. Vas-y, frère, prépare ta donne dans le coin, là, comme eux. Là. Allez, frère. Là, maintenant, il faut le gagner impérativement. Ah, il est court. Il n'avance pas. Ouais, malheureusement. Ah, c'est grave ça. Tirer, non ? Ça ne va pas suffire. Trois boules. Là, il n'y a plus beaucoup, beaucoup de. Je pense qu'il faut tirer. Lui tirer. Il faut tirer. Si il pointe, tu prends carreau, t'as perdu. On fera jouer deux boules minimum. Allez, frère, pousse la boule. Allez. On ne sait jamais. Des fois, il peut faire. Il peut faire. Pousser, c'est bien. Un petit carreau qui pourrait. Peut-être les sauver. Aïe. Que la messe est dite. Par contre, t'as vu ta première, c'est bien barré. Forcément, on a retrouvé une équipe nordiste en finale. Il y a de grandes chances que ce soit celle en noir. C'est qu'elle n'est pas assez bien jouée. Ouais, peut-être un peu plus long. Voilà. Christophe, tu l'as pas assez bien jouée la première. Peut-être là. Bah oui, il n'y a pas de. Peut-être un poil. Technicien, je connais. Par ici, là, non ? Bah, je sais pas. C'est toi qui as la boule, tu vois. Allez, mon Toff, essaye. Et là, c'est fini. C'est fini avec ce dernier point, donc, rapporté par Christophe Thomas. Eh bien, j'ai envie de dire, quand même, mon cher Jean-Luc Robert, que ça a été un cavalier seul de la part des polos noirs, parce que ça a été un peu l'arbre qui a caché la forêt, ce début de rencontre. Certes, il y avait 5-0 pour les polos bleus, mais c'est les noirs qui ont fait, les polos noirs plus exactement, qui ont fait le jeu sur l'ensemble de la et rencontre. Après, ils se sont retrouvés 5-6 quand même, et cette partie, elle a tourné. Moi, je pense, sincèrement, que cette partie a tourné sur la décision de Kevin Carlier de tirer cette boule devant alors que ses partenaires étaient partis pour pointer. Après, il a très très bien tiré. Les adversaires sont passés un peu à travers et se sont retrouvés à faire une main de 5 points qui a fait qu'ils ont fait le break. Mais ça tenait à pas grand chose. Allez, on va avoir la réaction tout de suite au micro de Laurent Cos, des vainqueurs. Donc, l'équipe de Christophe Thomas, Kevin Carly qui a été très solide, et puis Cédric Baldassare, qu'on le retrouvera donc en finale. Et ce sont eux qui se sont imposés dans ce derby nordiste. Oui, effectivement, je suis en compagnie des vainqueurs de cette demi-finale, tiens, avec Cédric. Cédric, c'est un peu toi le capitaine dans cette formation. Un peu le fou, mais pas le capitaine, on est trois capitaines. J'aime bien parler, j'aime bien rigoler, donc on essaie de mettre l'ambiance entre nous.
Je pense que c'est ce qui fait notre force au niveau du jeu. On n'essaie pas de trop être pétanque. On est vraiment trois potes qui s'amusent ensemble et on essaie de relaxer l'ambiance et de rigoler entre nous. Ça nous permet d'être attachés à ce qu'on fait. Voilà. C'est plus ça qu'on essaie de faire. Donc, c'est vrai. On ne se prend pas la tête et on s'amuse. À l'inverse de beaucoup d'équipes, on n'est pas du tout les favoris. On est vraiment un peu les touristes de la compétition. Donc c'est pour ça qu'on est content d'être là et que chaque partie, c'est un plaisir en plus. Donc on profite tant qu'on peut. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, voilà. En tout cas, c'est bien. Kevin, qu'est-ce que ça fait de jouer contre les copains du club ? Ah bah c'est spécial quand même. Une demi-finale de championnat de France, c'est des joueurs qu'on côtoie tous les jours, qu'on joue ensemble même. Donc c'est pas évident. Parce que, ouais, voilà, c'est ça, en demi-finale d'un championnat de France, c'est quand même quelque chose. On ne s'attendait pas du tout. Si on nous avait dit, on met une équipe dans le dernier carré, on aurait signé tout de suite. Et là, on se joue en demi-finale. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis là, maintenant, Christophe, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez superviser un petit peu vos futurs adversaires de la finale dans l'autre demi ou prendre un petit peu de repos ? Reposer, je crois. On va se reposer. Allez, repos. Voilà, week-end complet de pétanque. C'est vrai que c'est dur. Un petit peu de repos avant la finale. Effectivement. Pour l'équipe nordiste. Exactement, du repos, Laurent, pour cette équipe de Christophe Thomas. Parce que en face, il y aura du lourd, quoi qu'il arrive. Là, pour le coup. Oui, c'est bien possible. Après, attention, hein, parce qu'ils ont quand même produit du jeu. Mais là, ils vont avoir un petit moment, je ne sais pas. Dans quel ordre ils vont le faire, s'ils se reposer ou aller boire un coup. Mais je pense qu'ils peuvent aller boire un coup d'abord parce qu'ils doivent avoir soif, parce qu'ils parlent plus que nous. Effectivement. Mais en tout cas, c'est un bon état d'esprit hein, de la part de ouais. cette équipe nordiste que l'on retrouvera donc avec plaisir dans cette finale. Il a bien résumé la situation. Oui, c'est vrai. Ce sera soit face au tenant du titre varois, soit face à l'équipe emmenée par Christophe Sevilla. Pour ça, il faudra suivre cette seconde demi-finale en notre compagnie sur la chaîne Équipe. D'ici là, bonne pétanque à toutes et à tous. Bye bye. Who got the hay, who got the word? Get at the west, you all know how to be now. Get out of the way, no, no. Oh, 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 oh.